Alors, donc vous êtes sûrement au-dessus de la salle d'avant. Celle dont vous avez vous venez vous avez au-dessus ah oui au-dessus de la salle avant où vous aviez donc la salle où vous avez où vous venez où vous êtes sorti du de la grille d'aération. Alors le couloir courbé autour de la living room enfin du salon et qui revient ici. Alors peu importe qui a conçu cette maison, c'est un lunatique de mort. Ah, l'overpass, ça c'est le futur. C'est-à-dire que c'est une planète alien. Attends, est-ce que c'est le futur? Zephros a dit que c'est la sienne, mais ça a l'air plutôt celle de Damek. Oh, de toute façon, c'est bon, le Damek il est pas ici, et maintenant bah, vous pouvez aider Xephros avec, et aider Xephros en lui redonnant. J'ai l'overpad. Le sled. Ouais, quoi, pour ce que vous appelez, je l'ai et je reviens à te sauver. Excellent! Bien sûr, bien que je pense que je suis un peu coincé. Entre le chasseur et le tas de pistolets de tambour, je ne vois pas vraiment de. J'ai pas vraiment de voie libre. Bon, je vais trouver. Eh bien, le tétrarche a. Oui, des initiations un peu excessives à mon overpad. Ça pourrait aider. Ouais, alors. Ce type a pas vraiment l'air d'avoir un bon sens du respect pour. Ce qui appartient aux gens, quoi. Oh, il déteste ça! Tetra Ravax dit que le concept de propriété privée pour un véhicule, pour l'exploitation et. Pour l'exploitation et l'outil par le. Et... Ah oui, c'est un véhicule, hein, voilà, c'est d'accord. C'est un moyen d'exploiter les gens et un outil par lequel les nobles sang. du coup, règnent. Enfin. Règnent sur les. Sur les classes. Sur les classes Cersan. Sur les classes moyennes Cersan. Enfin, les classes moyennes. C'est pas vraiment classe moyenne, mais c'est le genre. J'ai oublié comment on dit les classes. C'est Proudhon. C'est le tétrarque Proudhon. La propriété, c'est le vol. Ouais, bah, je suis un peu nouvelle ici, mais je peux pas vraiment faire de commentaires, mais. Enfin, bref, ça va revenir dans tes mains maintenant. Ça va revenir à toi dans tes mains, donc problème résolu. Ouais! Donc, ok, je vais voir et je vais voir ce que comment ça marche. Je te reparle. Oh, la chance! Un kit médical de vétérinaire, comme celui que vous avez oublié d'amener pendant le voyage. Enfin, ça pourrait très bien un kit médical normal pour les non vétérinaires, mais vous êtes plutôt optimiste. Voilà, ce gros tas en bordel d'armes et de percussions. En fait, on empêche vraiment vos capacités de descendre les escaliers. Hein. Et si, par exemple, j'utilisais le truc que je viens d'obtenir. En tout cas, ça a foutu le bordel, hein. Alors, si le Ludithrax est pas content, sûrement qu'il est blessé. Ah, Goten. D'accord. Ah oui, d'accord, il retire les... Oh, ça peut être intéressant pour la trade, ça. J'en transforme les 10 en X. Ah, bonne idée. C'est trop mignon. Enfin, bref, j'ai vu beaucoup de sang partout sur un gros trou sur le sol. Oh non. Ouais, il était marron, donc c'est sûrement vieux. Alors, je suis pas sûr de ce que dire. Le tétrarque, c'est un sang de bronze. Un sang bronze. Donc c'est soit celui de Damek, soit celui de son Ludus, et c'est récent. Attends, quoi? Ok, alors, tu viens de dire que t'as dit plusieurs choses à propos des sangs et des couleurs de sang. Donc je me suis dit que c'était sûrement métaphorique. Donc, est-ce que t'es en train de dire que les membres de ton espèce ont
littéralement plusieurs couleurs de sang. Ouais, je suis un sang de rouille. Alors, bronze, rouille, est-ce que c'est un truc dans marbre et béton? Non, c'est par couleur. Donc, en vrai, je suis un sang bourgonde, mais. Alors, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour parler de ça, quoi. Ouais, je serais super content de dire tout ce qu'il y a à savoir à propos du sang sur notre planète quand j'en foutrais pas partout sur le sol, quoi. Wow! J'aurais vraiment pensé que j'étais mort hein, en ce moment. Donc, j'arrive. Le temps que je trouve un moyen de passer cette sauvage. Mais peut-être que je peux lui donner à bouffer, quoi. Parce que j'ai des croquettes. C'est quoi un animal de compagnie? Alors, je pense que ce serait difficile à décrire, étant donné que t'as été élevé par un animal de compagnie. Quoi? Voyons, let's move on. Donc, il me dit que je peux passer comme ça. Ouais, c'est pas commun. Attends, est-ce que t'es le type d'alien invisible et silencieux? Non. Bon, t'as pas de chance, t'as aucune chance de le faire. Enfin. Peut-être que je peux courir plus que lui. Alors, déjà, je suis surpris qu'il était en train de te chasser. C'est pas vrai comme lui. Ouais, maintenant tu le morceau, c'est vrai qu'il m'a pas vraiment chassé. Je pense que c'est tout ça, c'est un quiproquo. Et sûrement pas content. Avec d'un mec qui ment, qui est pas là, et tout ce qui s'est passé avant que t'arrives. Ah, je veux dire, ça peut être plutôt frustrant. Enfin, ils peuvent être trop frustrants. Enfin, les Lusus. Enfin, ils veulent du bien, ils essaient de prendre soin de toi, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Et c'est pas facile de les comprendre, tu sais. Ouais, j'ai quelqu'un comme ça. Oh? Ouais, ma babysitter. Ah, tu l'aimerais bien. Son nom, il y a un X dedans. Ouais! Eh bien. Ok, donc s'il y a une bête pas contente dans les mains, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah bon? Ouais, Joe Éclair, vétérinaire amateur, elle va devenir une professionnelle. Bon, ça c'est la voix de jeu, machin. Oh! Je reviens. Et je pense d'ailleurs que je vais la vidéo avoir un peu plus, durer plus de temps. Juste pour. Parce que je crois que j'arrive bientôt à la fin, donc. Oh. Cette tête. Cet échange de regard. Attends, il faut un moyen de le distraire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors attends, c'est donc le dire, enfin le chasseur en furie est toujours plutôt furieux. Vous devez demander de le distraire pour puis approcher de puis l'autre côté. Ah, un bol. Un bol. Est-ce que j'ai un bol à portée de main? Est-ce que j'ai un bol à portée de main? Ah bah oui. J'ai des bols dans la cuisine. Ah là là, les vaisselles sont trop sales à utiliser. Et vous avez décidément pas les nettoyer, hein. Vous n'êtes pas la mauvaise servante d'un mec. Y'a pas un bol ici? Non, y'a pas de bol. Ah bah y'a un placard là. C'est vide, très bien. Attends. Ouais, y'a un bol. Il est propre. Peut-être que d'un mec l'a loupé. Ah, c'est. L'a pas vu, c'est pour ça qu'il est. Peut-être pour ça qu'il est propre. Hop, je mets le lit. Hop. Ah, le bol.
Yes. Alors, vous pouvez entendre le chasseur lapper le lit de l'autre côté. Ah, ça l'agiterait si vous passez par là. On va revenir par là. Et on va passer par là. Et donc nous allons donc... il est blessé. Oula. Attends, je sais pas de quoi il parle, mais... Attends, merde. J'ai oublié de prendre le med kit. Je suis trop con. Attends, on retourne. Il y a beaucoup d'aller-retour, mais... on en arrive bientôt, on voit bientôt le bout. Ah là là. Pensez à toutes les possibilités pour prendre soin d'un animal. Allez, dans ce petit kit. Vous regrettez un peu d'avoir pas pris celui dans votre chambre, mais... au moins, ça aide, voilà. Ça aide. Sans que je range beaucoup, quand même. Mais on en arrive bientôt au bout, et... ça va, voilà. Allez. On va soigner le bonhomme. Alors, ça serait quand même mieux si... pour soigner le chasseur, si vous... sachez quelque chose... plus que rien. Heureusement, vous avez amené quelque chose, un bouquin pour ce sujet. Tout ce que vous avez besoin, c'est de le consulter, donc. Alors, vous feuilletez les pages, et oh, c'est bon. Son nom scientifique, apparemment, le Cuspidated Grimalkin. Oh merde. Putain, c'est encore des noms à la con, là. Grimal, c'est comme Grimaud, non? Merde, c'est Benjamin Grimaud. Bon, bref. Alors, c'est une chimère, l'union chimérique entre un prédateur et la proie, avec les forces des deux. Long, et des griffes rétractables longues, et des dents pointues comme des couteaux. En plus d'une couronne défensive pour de cornes poinçonnantes, la vitesse pour des gros sprints de super rapide, l'endurance pour courir plusieurs nuits sans s'épuiser. Alors, fier et resplendissant, donc il préfère se créer un lien avec des larvouilles au sang de bronze. Dans lequel il ressent une forte aptitude pour des gros leaders, des chefs. Enfin, des aspirations, de telles ambitions pour des cerçons, c'est surtout prompt à les faire éradiquer, bien sûr. Et du coup, la principale cause de mort pour ces petites bêtes. Enfin, des grosses bêtes, plus exactement, c'est du coup la défense de leur. De leur protégé. De leur traître protégé. Bien sûr. D'autres trucs. Putain. Suggèrent que les Malkin qui arrivent à survivre à la mort de leur protégé ont généralement cherché à trouver des. Des trolls qui ils ont été de manière similaire, donc ils sont devenus orphelins de manière similaire et essayent de créer un lien avec eux. Bien que le procédé de sélection est naturellement plutôt mystérieux, étant donné que c'est quand même pas mal illégal. Il y a pas mal de diagrammes anatomiques dedans, donc vous pensez que vous êtes capable de soigner le chasseur. Ce qui est comme ça que vous allez continuer à l'appeler pour moi. Parce que Grimalkin là, c'est un peu quand même. Un peu verbeux. Alors. Ouah, il y avait une épine sous le pied. Je lui retire une sacrée épine du pied.
Oh là, elle est chouille. Oh là là, t'as l'air tellement contente. Incroyable ça. Waouh, c'est trop mignon. Mais c'est quoi son nom? Vous pouvez demander à Xephro, bien sûr, mais vous savez qu'il y a quelque chose entre vous deux. Quelque chose qui mérite un nouveau nom. Alors, du coup, bah, on a saucisse. Et évidemment, on a purée. Merde, on a purée. Voilà, saucisse purée. Allez. Alors, rail de purée. Alors, maintenant que j'y pense, je suis un peu nerveuse de comment je vais arriver là. Je continue à voir les ombres de ces gros trucs pas contents et musclés dehors, là. Qui volent dehors. Ouais, c'est sûr, ça va pas être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Je suis désolé. Est-ce que c'est aussi compliqué de traverser la rue? Non. Enfin, je veux dire, pas en général, mais... Allez, c'est devenu un peu plus... peu pratique. C'est-à-dire... Quelqu'un qu'on était censé rencontrer, il s'est pas montré. Enfin, à mon avis, ou alors il s'est montré, mais il s'est mal passé. Je sais pas, d'un mec me pas dit ce qui s'est passé. Voilà, j'ai tout foiré, je sais. Tu devrais rester là, je veux pas que tu risques de te blesser à cause de moi. Allez. T'as été risqué pour moi. Ouais, c'est vrai, je suppose. Non, mais c'est pas ce que tu supposes. Enfin, j'ai juste pas, je me suis juste pas rendu compte à quel point t'étais courageux, quoi. Enfin, merci. Enfin, voilà, quoi. Enfin, ça veut dire beaucoup pour moi. Mais... Non, pas de mais. Except yours. Oh, putain, la blague. Oh, mais... je sais pas comment traduire ça. Enfin, je pourrais traduire ça, mais là, j'ai la flemme de réfléchir. Non, mais... No buts, mais... Except yours. Oui, pas de mais je vais te sauver, voilà. T'es sûr, hein? Absolument. Oh! Attends, on arrive en un clin d'œil. Excellent. Attends, nous? Ouais, elle a la lampe torche. Bam, 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 bam. Bah, c'était plus rapide. Et on est là. Attends, c'est toi dans les décombres? Enfin, je crois que c'est toi. Enfin, c'est pas que je veux voir que tu sois sous les décombres. Ouais, j'espère juste que j'ai pas réussi à te confondre avec quelqu'un d'autre qui croit c'est sous les décombres. Non, c'est moi. J'étais chanceux. Chanceux? Ah, je suis laissé pour mort, mais j'ai tellement couvert comme ça, mais je suis pas assez blessé pour mourir. Ceux qui se font éradiquer à vue, ou du coup ils se font abducter pour se faire éradiquer plus tard, sûrement dans un spectacle à la con de noble sang, ils étaient pas aussi chanceux que moi. Ah, tu veux dire, c'est eux que tu te rebelles, ces drones? Non. Enfin, je veux dire, pas vraiment. L'héritière est en chat, enfin, et celle qui est à la tête des drones, quoi. Et ils obéissent. C'est son droit de naissance. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Bah, j'en sais rien. Mais les serpents, ils se font éradiquer pour tout et rien, en fait, hein, pour aucune raison. Elle n'en a pas à voir. Elle n'a pas à avoir de raison. Ou alors peut-être que nos culs en feu. Enfin non, subgrub, c'est suburbe, donc nos quartiers qui sont en feu, bah ça peut lui faire un super fond de ce paysage de portrait, quoi, de selfie, quoi. Mais t'es sérieux? Elle a l'air absolument horrible. Oui, non mais oui, hein, bien sûr, c'est comme le tétard qui dit, hein. The slow, the soul, les lents, les doux, les malchanceux, les comment ça s'appelle, les troublemakers, les perturbateurs, tous ceux qui ne sautent pas quand l'héritière claque dans ses doigts, tout poisseux, ils se font encercler et esclavager ou tuer, surtout les sangs de rouille, comme moi. Mais c'est horrible! Mais ton quartier est en feu! T'es sous les décombres! Oui, bah, comme tu dis, hein, c'est pour ça qu'on se rebelle! Mais c'est horrible! Pourquoi est-ce que quelqu'un n'a pas déjà mis un terme? Et mon quartier, mon larvier, mon larvier, mon quartier est plein de sang de sarsan. On n'a aucune importance. Donc,
que bah personne. Personne qui avec un peu d'importance bah, s'en fout. Ils ont quelque chose à foutre. Tout ça, c'est assez juste. Descendre les ordures. Descendre les ordures. Oh, c'était la trop bonne traduction. Hein. Toujours que t'es comme ça. Personne bah, ne fait quelque chose. Hein. Personne n'y fait rien. Encore moins les Gutter Blues. Ils s'en doutent hier. Comme moi. On est surtout bon à s'allonger pour mourir. Mais tu te rebelles, pas vrai? Donc tu fais quelque chose. Ah non, c'est pas moi, c'est le Tétrarque. Le Tétrarque d'un mec est différent. Il est super cool. J'aurais aimé que tu puisses le rencontrer. Il fait sûr, toujours fait quelque chose. C'est comme dans un film où il est la star. Tu sais, tu vois? Mm-hmm. C'est lui qui coagule tout. Qui a tout mis en marche. Le réseau rebelle, le plan, tout ça. Mais sans lui, on a aucune chance. Il était celui dont tout le monde parlait, et maintenant il est parti. Tout le monde demandait des conseils, et il est parti. Il est parti, et je suis seul. Et je suis lent, et doux, et stupide. Et faible, et stupide. Je suis rien qu'un petit... un sang de gouttière. Un petit rien. Un personne. Enfin, bref, il se dévalorise fortement. Alors non. Je vais demander non. Quoi? Ah, ce type de mec, on dirait qu'il craint. Quoi? Ok, je suis désolé, mais t'as l'air de parler constamment et pas un seul mot que t'as dit ne le rend pas autrement qu'un... Oh, not a single... Ah oui, d'accord. Mais tous les mots que t'as dit le font juste... me donne juste l'impression que c'est une sorte d'horrible harceleur. Mais non! C'est pas du tout comme ça! Il prend soin de moi. Ah, ouvre tes yeux! Pourquoi est-ce que tu penses que tu dis. Ouais, du film. Pourquoi est-ce que tu crois que tu dis ces horribles choses? C'est pas comme si je savais d'où tu venais. Des fois, mon. Rotten 6. Des fois, mon grand-père me fait juste sentir. Enfin, c'était pas bien. Et est-ce que je pense que je suis la raison qu'il est jamais là? C'est quoi le problème avec moi pour que mon propre père ne veut pas me voir? Mais c'est de la merde! La seule personne responsable pour les terribles choses qu'il me fait, c'est lui! Tu ne comprends pas. Moi et le Tétrarque, on a été au genre depuis qu'on était des larves. On était destiné à des morailles. Et tu voudrais pas comprendre parce que t'es un alien. J'ai besoin de lui. Non, t'as pas besoin. Je connais absolument rien des coutumes sociales sur cette planète alien de folle. Mais je sais qu'un vrai ami ignorerait juste et te laisserait penser et dire ces choses à propos de toi. Je pense pas que tu as rien. Enfin, en vrai, je sais que tu n'es pas rien. Tu as plein de ton propre, tu as plein de courage en toi. C'est pas parce que combattre donc du coup tout ce système de merde, et c'était son idée. Ça veut pas dire que ça prend pas des points pour pouvoir le mettre en marche. Et tu étais prêt à tout risquer pour me sauver, un alien que tu n'as jamais rencontré. C'est la plus chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Tu penses vraiment? Ouais! Je crois en toi, Xephros! Ouah! T'as retenu mon nom cette fois! Oui! C'est parce que tu as eu une telle impression sur moi, et on est tellement de bons avis, et je serais vraiment triste si tu avais abandonné et que tu étais mort en dessous de ces rochers! Oh, ça veut dire. Ça va vraiment dire beaucoup pour moi. J'ai jamais rêvé que quelque chose pourrait arriver à quelque chose comme moi, Xephros. Je vais absolument faire mon stand. Mon mieux pour élever mes standards d'amitié au point où. Tes standards d'amitié au point où. Qu'on retienne ton nom, c'est pas la. Ça serait pas la chose la plus sympa qu'on ait jamais fait pour toi. Mais je suis pas seul après tout. J'ai Joe et Alien ici pour me sauver. Et me dire. Joe et l'Alien. Et pour me dire ce que je dois faire. Mais non. On est ensemble. Ah oui, vrai. Merci, Joey. Donc, maintenant, déjà, on va te sortir de là, et après, on va voir ce qu'on fait après. Et t'es sûr que tu connais personne qui pourrait nous aider? Enfin, je sais pas...
Je sais pas vraiment si quel genre d'aide on a besoin, mais à mon avis, on en a besoin. Ouais, je connais quelqu'un. Et il vit pas vraiment. Il vivra vraiment proche. Ça fera un petit voyage. T'es sûr qu'il va nous aider? Ouais, elle déteste l'héritière. Et c'est notre plus grande fan. Ok, ça me semble bien. Donc maintenant, je vais te sortir de là. Du coup, je suppose qu'il faut faire ça. Hein. Pour le sortir des décombres. Allez, en route. C'est parti, let's go. Cheese. Ah. Mais parfois, même si il est assez court en fait, ce jeu est bien. Et bah, j'attends vraiment du coup la sortie de l'acte 2. Hein. Demain, après-demain, enfin je sais pas quand il se sortira en Amérique exactement à quelle heure, mais je sais qu'il sortira le 25 novembre là-bas. Donc j'ai hâte d'y être en tout cas. Parce que même si j'ai un petit peu rush, etc. C'est quand même un jeu que j'aime bien. Qui est bien en vrai. Hein. Bon, après l'épisode là va durer genre. Au vu de. Il va probablement durer une 20-50 minutes, hein, voire plus. Et du coup, le. Ça sera probablement le dernier truc que j'uploaderai. Hein. Alors, je l'uploaderai plus tôt que les autres épisodes, enfin ceux d'avant. Parce que du coup ça va prendre pas mal de temps à déjà à rendre sur le logiciel de montage. Mais surtout à upload en vidéo quoi. Donc ouais. En fait j'aurais peut-être. Je verrai si je peux pas le couper à un moment. Après il n'y aura pas de transition donc je sais pas trop, mais au pire ça fera juste une première et une deuxième partie quoi. C'est pas si grave hein. Ouais. Je pense que c'est la bonne solution pour éviter de d'atteindre encore pendant 20 ans le truc de montage. En vrai j'ai aucun problème avec le fait d'upload des trucs de plusieurs heures hein, en vrai. Moi, ça c'est pas le genre de choses qui me dérange. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Ah, Michel Zazowski, j'avais pas vu, c'est la. Je viens de voir à peine son nom, c'est celle qui a fait Avast Demon. Incroyable. Et du coup, voilà. C'était l'acte 1 d'Afswap. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, parce que moi au moins, ça m'a plu. Donc, on se retrouve, du coup, pour la réaction. Donc. Au jeu donc de base, enfin au jeu à l'acte 2 quoi. Donc,
je vous dis salut.